Cet événement historique réunira des participants du monde entier pour discuter des enjeux actuels auxquels est confronté l'islam soufi, mettant en lumière son rôle dans la société moderne et explorant les moyens de relever les défis de notre époque tout en restant fidèle aux principes de la voie tidjania. Et ce sera un moment de célébration unique qui n'a jamais eu lieu au Sénégal. Et nous avons l'ambition de réunir ici tous les pays où la tidjania est puissante. Nous avons une population, nous avons des mécènes qui sont derrière. Nous nous sommes adressés aussi aux chefs d'État. Nous avons la confiance de beaucoup d'institutions et déjà beaucoup d'États ont commencé à nous approcher. Et nous avons aussi toutes les familles religieuses. Nous pouvons prétendre parler de l'islam. Et nous voulons que tout le monde vienne accompagner ce mouvement. Une quarantaine de pays se sont déjà inscrits pour participer au colloque, démontrant ainsi l'ampleur de l'intérêt et de l'engagement des nations du monde entier envers cet événement d'une importance capitale. On aura une exposition qui sera, il y aura un vernissage, donc le mémorial des saints, où on va exposer le parcours des saints. On a déjà des annonceurs, on a déjà des partenaires et des membres du groupe qui se sont proposés pour mettre à disposition soit des ouvrages, soit des objets ayant appartenu au sein pour le recueillement et pour aussi le souvenir, Inch'Allah. Et on prévoit aussi de faire un salon du livre, donc de l'islam soufi. Nous voulons montrer que la tidjania, c'est d'abord une fabrique de citoyens modèles. L'engagement de la crème intellectuelle et des diverses familles religieuses promet d'enrichir cet événement, offrant une plateforme sans précédent pour des échanges intellectuels et spirituels. Les représentants des panels sont ici avec nous, ainsi que les représentants des différentes rubriques. Nous avons le projet de réaliser un film sur la dimension universelle de la tidjania. Où nous allons parler de Aqiqa et Tariqa. Et après, nous parlerons comment nous allons permettre à nos sœurs et à nos fils et frères de pouvoir avoir les meilleures bonnes pratiques pour pouvoir adresser ce monde. Le comité lance un appel aux autorités pour la bonne réussite de cet événement. Nous lançons appel aux autorités politiques pour s'en saisir parce que l'islam soufi, c'est la marque de fabrique du Sénégal. Et l'islam soufi nous a donné nos lettres de noblesse. Lors de ce colloque mondial, des panels de haut niveau traitant de sujets d'actualité tels que l'éducation, la paix, la sécurité internationale, la finance islamique, l'environnement et le tourisme religieux seront animés par des chercheurs et spécialistes renommés. Ces dialogues promettent d'apporter des analyses approfondies et des idées novatrices, offrant ainsi une opportunité unique d'explorer ces thématiques essentielles avec expertise et engagement.